Chers internautes, aujourd'hui nous allons parler de la semaine socio-culturelle de Tomono. Mais bien avant de parler de cette semaine socio-culturelle, il va falloir situer Tomono géographiquement. Tomono est situé dans la région du Béré, pour tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, mais précisément à 30 km au nord de Mankono et à 15 km au sud de Sarala. Tomono est une localité en plein essor aujourd'hui. Tomono a une station-service de carburant. Tomono a un grand château qui est en construction, un grand centre commercial. Vraiment, Tomono est une localité où les hommes d'affaires peuvent vraiment s'investir aujourd'hui. Mais, parlant de la semaine socio-culturelle, elle a pour but de faire connaître les populations, les jeunes et les vieux, pour qu'on puisse se connaître, s'entraider. Et la deuxième raison est que chacun puisse contribuer à l'émergence de cette belle cité. La semaine socio-culturelle a lieu généralement en vacances. Pour nous, les vacances peuvent réunir beaucoup de personnes au village. Et cette année, la semaine socio-culturelle, le départ est prévu pour le 20 août. Le 20 août, c'est déjà demain. Donc vraiment, nous invitons tout le monde, tous ceux qui verront cette vidéo, ou tous ceux qui verront nos différents SMS, à participer à cette semaine socio-culturelle pour découvrir notre belle cité. Vraiment, nous vous attendons à bras ouverts. Tomono est aujourd'hui une ville cosmopolite. Parlant d'une ville cosmopolite, je veux dire que Tomono est aujourd'hui à 60% d'étrangers, notamment les Senufo-Gbator, les Peuls. Vraiment, il y a toutes sortes de personnes aujourd'hui à Tomono. Donc la population étrangère est à 60%. Disons que la population autochtone est à 40%. Vraiment, nous avons les bras ouverts à tous ceux qui viennent à Tomono. Merci.